Je m'appelle Daniel Guilherme, je suis infirmier libéral et président de la Fédération nationale des infirmiers, qui est la première organisation représentative des 130 000 infirmières libérales en France. Nous sommes dans un esprit totalement combatif. Les infirmières, comme la Fédération, sont totalement mobilisées aujourd'hui pour faire face à la crise sanitaire. Des actions essentielles que nous avons mises en place assez tôt, c'est de répondre à l'appel au secours des établissements pour personnes âgées, des maisons de retraite, des foyers logements qui nécessitaient en fait d'avoir du personnel supplémentaire pour faire face d'une part au personnel contaminé, confiné et à l'afflux de soins à réaliser dans ces structures. Alors nous avons au niveau de la Fédération co-construit il y a maintenant plus de 4 ans une plateforme qui s'appelle InziCare. Cette plateforme permet de mettre en relation l'offre et la demande à l'échelle des bassins de vie. Donc, à ce jour, nous avons à peu près 500 établissements d'inscrits sur cette plateforme, ce qui permet en fait à ces établissements, de lancer des appels in situ à l'échelle des bassins de vie et d'obtenir en fait la ressource disponible au niveau de leur territoire. On aimerait en fait que en sortie de crise, nous souhaiterions, en tout cas, et nous appelons les services concernés de tous nos voeux, c'est qu'il y ait une peut-être meilleure écoute du terrain dans les prises de décision. Aujourd'hui, en fait, la réalité de la pandémie nous met en face de certaines responsabilités et la gestion en fait d'une crise telle que nous l'avons traversée nécessite une meilleure prise en compte de la parole du terrain.